Cameroon, Bandu, Africa, Bandu, to the world, Bandu. Yo Bamenda man, yo Ikuna man, yo Ngi man, yo Bakur man, I'm proudly so your Anglophone brother. I know where I'm coming from. I know where I'm heading to. You get it right? We're not going to be allowing people talking nonsense all the time. They're talking because they are motivated by what you know. I don't finish talking my own. Les amis, on a vu la scène ou les scènes qui se sont déroulées lors de ces derniers regroupements de lions indomptables. D'abord, au Cameroun, avant d'aller à l'Uganda, l'Africa Foot, après que Magnus a établi sa liste, a convoqué les joueurs. L'Africa Foot a convoqué les joueurs, a communiqué le lieu du rassemblement de joueurs, a payé les billets d'avion aux joueurs. Les joueurs ont détourné pour la plupart. Du coup, il y a 8 joueurs qui sont venus par Douala selon le plan de vol de la Fédération Camerounaise de football. Et ils ont été bloqués à l'aéroport. On a utilisé les méthodes des 1950 de Foucault pour les amener à Yaoundé. Ils sont aussi complices parce qu'ils pouvaient dire non. Ils sont allés à Yaoundé alors que la fédération les a demandé de venir à Douala, à louer les installations, à prendre les dispositions. Et ils ont pensé qu'au niveau de l'aéroport de Douala, par exemple, l'Africa Foot devrait bagarrer avec eux. Oh, le jeu, c'est nous, c'est pas. Non, non, non. Les agents de l'Africa Foot les ont laissés faire. Ils ont pensé qu'ils étaient trop forts. Mais ils ne savaient pas qu'il y avait un autre plan pour déconstruire leurs mensonges, pour montrer aux yeux du monde qu'ils ne sont pas forts. Avoir des muscles ne fait pas de vous quelqu'un de plus fort. La force ne réside pas uniquement sur les muscles. It is also mental. It attack is mental. Maintenant, les amis, l'Africa Foot les a laissés faire. Et après, bam, le 3, il y a une communication de l'Africa Foot en intimant l'ordre à ces joueurs-là d'arriver à Douala le lendemain à 8h. Des bandades totales. Je veux dire confusion totale. Voilà, c'est le mot qu'il faut employer. Les gars ont vu leur club les appeler, mais on vient nous informer que vous n'êtes pas au regroupement. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Vous n'êtes pas là. Donc, retournez l'Africa Foot a dit que non. C'est là. Et les gars, vraiment, la pression a commencé à monter. Les joueurs étaient obligés de faire un communiqué. Et ils sont réunis pour pouvoir faire le communiqué. Apparemment, l'information a fuité et le ministre était au courant. Et là, il faut stopper cela, les amis. Selon les informations que j'ai eues, il faut stopper cela. Le ministre essaie de les convaincre. Ça ne marche pas. Le premier ministre, donc, convoque le ministre de sport, discute avec lui. On suggère la convocation d'une autre réunion avec le capitaine et le vice-capitaine. J'apprends que Abaka Vincent et le vice-capitaine disent, ils ont dit niet à Tindazar Sey. Ils disent niet, nous voulons rencontrer le premier ministre, nous tous. Ils rencontrent donc le premier ministre. Et le premier ministre leur parle. Si la FECA Foot et la CAF ont décidé que le match va se jouer à Garoua, ça va se jouer à Garoua. Vous comprenez très bien. Si ils ont décidé que ça va se jouer à Garoua, ça va se jouer à Garoua. Et là, c'est sur instruction du président de la République qui venait de quitter le Cameroun pour la Chine, qui a donné des instructions fermes qu'il faut respecter les textes. Un point, c'est tout. Et là, on a vu le ministre de Sport prendre les notes. Il écrivait là lors de cette réunion. Et c'était l'humiliation. La suite à Garoua, les amis, c'est lui qui était le chef de délégation. Incroyable. Les lions arrivent, l'hôtel avait été réservé cette fois-ci par qui? Je vous ai laissé les histoires de U20 et tout ça. C'est très important, ça va revenir dans l'histoire du football camerounais que les U20 devaient remplacer les lions qui pensaient que la terre tourne autour d'eux parce qu'ils jouent en Europe. Et là, à Garoua, éclat de voix parce que l'Africa Foot avait réservé les chambres pour le nombre de joueurs, pour les staffs techniques, et c'était comme ça. Le gouverneur de la région du Nord entre en jeu, réunion du tripartite, et les choses sont dites clairement. Et on a vu le banc des touches, on a vu ce qui s'est passé.
dont le ministre n'était pas très content. On a vu Samy au stade et tout ça. Il était un peu gêné, selon les images que nous avons vues. On part donc à l'Uganda, à Kampala. Bis repetita. La FECAFOOT loue l'hôtel. Le ministère loue sa part d'hôtel. L'argent là vient d'où? C'est la question qu'il faut se poser. Et demain, quand les gens vont poser des vraies questions, il ne faut pas que les uns et les autres commencent à dire non, c'est parce que ça n'a pas de sens. L'argent de location d'hôtel à Kampala, deuxième hôtel, venait d'où? Est-ce que c'est le ministère qui organise les matchs des Lions Indomptables? Ça a déjà existé comme ça? I don't think so. Jamais dans l'histoire et les textes même, rien ne n'autorise le ministère d'organiser les matchs des Lions Indomptables. C'est rien, rien, il n'y a pas convention ou décret de 2014. Mais, comme chez nous, on tord le cou au droit, les gens pensent que c'est toujours comme ça qu'il faut procéder. Et là, on a vu tout ça. Les Lions ne se sont pas entraînés. That is in Kampala. Ils ne se sont pas entraînés. Les raisons sont des very flimsy reasons. Qu'est-ce que Magris dit? Qu'est-ce que Céline Toulou dit? On a l'hôtel, l'embouteillage avant d'arriver. Ça, c'est le désordre. Donc, Magris est responsable. Le ministère est responsable de ça. Raison pour laquelle le ministre lui-même a félicité les Lions pour le match nul. Ah oui. Go and check his speech, you see that has ever happened. On comprend que la situation est très compliquée. Et les Lions rentrent avec ce match nul de Kampala pour certains, parce qu'Andrew en a été déjà parti, Baleba, je crois, Brian Bemeux et tout. Donc, Aboubakar Vincent, Ngandu, certains qui n'ont pas de club, rentrent et sont invités à la présidence de la République pour rencontrer qui? Vous connaissez très bien. Parce que le président n'est pas là. Si le président n'est pas là et que les gars sont invités à la présidence de la République, vous comprenez que ce n'est pas le président. Donc, c'est des gens de la présidence qui sont sur place. Pour dire quoi? Quand le premier ministre finit d'expliquer quelque chose et de donner les directives, des gens à la présidence décident autrement, vous pensez que ça peut marcher comme ça? Non. Il faut changer. Et tout de suite. Parce qu'Aboubakar Vincent, le jeu qu'il a entré là-dedans, ça va se terminer très mal pour lui. Même Gandu, bon, on comprend. Gandu, voilà, bref, je ne vais pas entrer là-dedans. Il a le droit de choisir qui veut, mais de subir aussi grave des gens, parce que si vous soutenez X et pas Y, il faut savoir que vous avez fait un choix. C'est de ça qu'il est question. Donc, les amis, voyez-vous, on reçoit des gens, des lions comme ça, après, le ministre va les recevoir, tel va les recevoir. Non. Il faut juste respecter les textes. C'est tout. Respecter les textes. Il dit comment on understand. The boy, when I understand, I just talk about the disorder that happened for Cameroon. With the rent hotel for Yaoundé, the rent hotel for Douala. Problem, fika food ride, under 20, they begin to replace them. Tension and all that. Prime Minister enter. He put order for the TC when I go play for Garoua. They reach for Garoua. Hotel no day for some members and for delegation for minister. He start out brrr for the governor enter. Governor put order. Governor talks say, na text did respect and for here. No order thing no do. No way, na text. We see how we, the text will be respected. Order did for Garoua because governor talks say, that people they say, minister order me to stop that nonsense. They go Kampala, they create the same disorder. They play match. Some kind of any kind of match. They draw. Minister congratulate them for the draw. There were some players that enter Cameroon. As they enter Cameroon, they invite them for presidency. Let me not Paul Biya. Na presidency, they invite them. Paul Biya know they are around. I say, Massa. Film we didn't continue. It bad plenty. But man, that man, hey, Kona man. Guy man, Bakuriman, I'm proudly so. Your Anglophone brother.